retrouve pour la vidéo concours cette fois, comme promis. Et donc, je vais vous présenter les lots qu'il y aura à gagner dans un premier temps pour le concours. Donc, on commence tout de suite, si Chibi me laisse faire, ce qui n'est pas sûr. Donc, le premier lot... Pinote feuille, Chibi, tout va bien. Alors, le premier lot est le premier tome d'Eléonore Fernay, Scandaleuse Elisabeth, qui a été dédicacé par l'auteur lors du salon du livre. Je la remercie d'ailleurs énormément. Voilà, c'était le dernier exemplaire et je me suis dit que j'allais vous le garder pour vous l'offrir. Donc ça, c'est un des premiers lots du concours. Ensuite, un petit carnet. Voilà, tout joli, avec des chats, des petits chibis dessus, évidemment. Ensuite, un petit lot Lumen. Je vais vraiment devoir te faire descendre, des chibis, je suis désolée. Voilà. Alors, un lot, donc Lumen, le secret de l'inventeur, avec le poster. Le secret de l'inventeur. On va essayer de ne pas l'abîmer, voilà. Un extrait du bouquin et un marque-page, qui est très très joli, je trouve. Voilà, donc ça, ce sera un set à gagner des éditions Lumen. En plus des éditions Lumen, je vous rajoute la petite broche. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir en fait. Gardien de la cité perdue. Voilà, ce sera un lot en plus. Donc des éditions Lumen. Ensuite, on passe aux éditions Milady. Et donc les éditions Milady, bien déjà, il y aura ce sac qui est juste super, super, super joli. Le sac plus quelques marque-pages. Il y en a quelques-uns, donc voilà, ils sont tous très très jolis, je trouve. Voilà. Et donc avec le sac et aussi le livre Les aventures de Miss Alethea Darcy d'Elizabeth Aston. Je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais le lire. Et je pense que je devrais peut-être lire Orgueil et Préjugés avant, donc je ne suis pas encore prête pour ça. Je préfère le faire gagner à quelqu'un à qui, enfin, à qui ça fera plaisir. Donc voilà, il fait partie des lots en jeu pour le concours de la première année du blog. Voilà, donc ça, ce sera dans un premier temps. J'ai encore d'autres surprises dans mon sac à malice. À savoir que, bien sûr, pour les 200 gemmes, comme prévu depuis un moment, je vous rajouterai mes deux coups de cœur de jusqu'à présent. Donc, ça compte pas cœur criminel, ça comptera pour la prochaine fois. Donc, je vous rappelle donc que c'est Stephen King, Cimetière, et Pauline Gage, Le Scorpion du Nil. Mes deux coups de cœur de tout temps, vraiment, voilà. J'arrête pas d'en parler, je le sais, je suis désolée, mais je les adore trop. Et je ferai en sorte de vous les faire gagner dès les 200 gemmes. Il y aura des cadeaux qui se rajouteront aussi, sans doute au fur et à mesure. J'en ai encore dans mon sac, je vais sans doute en ramener de Belgique. Donc voilà, je vais vous gâter. Je vous rappelle que l'occasion, donc c'est le premier anniversaire du blog, qui aura lieu le 11 avril, ainsi que mon anniversaire, évidemment, pourquoi pas, et faire profiter tout le monde. Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Peut-être que je referai une autre vidéo pour vous montrer le reste, à savoir qu'il y aura un book cover, des carnets pour dessiner, tous des lots de la maison d'édition Sharon Kenna, comme des marque-pages, des clés USB avec des e-books. Bref, voilà, donc vous allez être encore très très gâtés, vous inquiétez pas. Et donc, pour participer au concours, c'est très simple, donc je vous ferai un formulaire, tout simplement. Évidemment, vous inscrire à la chaîne, à la page YouTube et au Twitter peut être accueilli avec le sourire, évidemment. Et voilà. Et donc, je vous dis à bientôt. Je pense que ce sera ma dernière vidéo avant mon départ, qui est samedi. Je reviens une semaine plus tard, le jour de l'anniversaire du blog. Donc ça tombe très bien, à ce moment là je pense qu'on tirera déjà au sort les premiers gagnants. Et donc ensuite on verra comment ça va se dérouler, tout simplement. Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre tout simplement. Je vous remercie pour vos commentaires, votre gentillesse. J'espère encore pouvoir échanger longtemps avec vous. Et puis je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les gens.